Exode. Tokotanga na Exode. Vous verrez ceci au chapitre 20. Exode 20. Exode mokapona tokumibale. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Boyenzamba sakola ki maloba nyonso kat na kolobaite. Je suis le Seigneur ton Dieu. Najali nkolo njambe na yo. Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Oyo abimisio uta mboka n'Egypte uta ndako na bombo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Okojala tena banjambe mususu liboso na ngai. Tu ne te feras point d'image taillée, au commissaire il a son commoquette et l'ilingi et de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et l'ilingi songolo ya biloko et zali kuna la dikolo kat na balola qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre et où zali na katina mai na se koleka mabele. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne serviras point. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sous les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui m'haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Nous lirons encore dans Marc. Je crois que c'est le chapitre 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait répondu au Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, ô Israël. Yoka, ô Israélélé. Le Seigneur, notre Dieu, Nkolo, Njambe na biso, est l'unique Seigneur. Adalise Nkolo Mei. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Okolinga Nkolo Njambe na yo na bo motema na mobimba, elimu na mobimba, makasi na mobimba pe makasi na yo nyonso. Et voici le deuxième. Pe tala oya mibale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, comme nous l'avons lu, Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne veut pas qu'on ait d'autres dieux devant sa face. Mais c'est si facile d'avoir un autre maître que lui. Vous savez, dans Luc 16, nous avions lu l'autre jour, il est dit à partir du verset 10, et l'obami ko banda morongo ya zomi,
Celui qui est fidèle dans les moindres choses. Montoyo Adali Sembo Katina Makambo Yamike. L'est aussi dans les grands. Adali Pe Bongo Katina Woya Minene. Amen. Amen. Mais quand vous considérez comment les hommes négligent les petites choses. Tango Bozeli Kotala, pona komona olenga batuba kotala pamba makambo ya mike mike. Vous pouvez alors réaliser combien ils sont négligents dans ce qui concerne la parole de Dieu. Mokoki kotala boni bazali goigoi nao etali liloba na Nzambe. Oh, même si ils semblent être très engagés. Oh, ata soki ba moni lokola ba mipesi koleka. Même s'ils semblent s'être donné tout entier. Ata soki ba moni ete ba mipesi mobimba na bango. Mais quand un homme Kasitango moto est infidèle dans les moindres. Azangi sembo katina makambo ya mike. Soyez sûr et certain qu'il est aussi dans les grands. Bozala pe na mama pe na tingete azali pe bongo katina oya minene. Et vous savez, c'est une particularité de notre peuple. Bouyebiete ezali ezaleli ya libota na biso. On méprise, on néglige les petites choses. Bakotiolaka, bakotalaka, pamba pamba. Oh, ne c'est rien ça. Oh, ezana mwe lokote. Et pourtant, c'est important. Donc quand ezana motuya. Ça, parce que si ce n'était pas important, ce ne serait pas là. Parfois, les gens en arrivent à se disputer pour des choses, je dirais, insensées. Vous verrez une dame, une femme, je ne sais pas si je peux l'appeler dame, une femme, elle est sans aiguille. Azangi Tonga. C'est une petite chose. Il est le kumuke. Mais sur le champ, elle en a besoin. Kasiwana, Azali nango bosenga pesa pesa. Et la chose est d'une importance capitale à ses yeux. Mais le kwanza na mutu ya pesa kole kanami sonaye. Alors elle va de maison en maison cherchant une aiguille. Bongo akeyinda kunanda kunanda kokoluka ka tonga. Elle demande à toutes les voisines. Ako ko tuna na bazale nyoso ya basi ya pembe. Finalement, une aiguille apparaît. Et elle demande encore du fil. Parce qu'il faut qu'elle couse ce vêtement. Et qu'elle puisse sortir. Mais l'autre, en lui donnant son aiguille, lui dit, prends soin de me remettre mon aiguille. Non, 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 tu l'auras. Je te la rendrai. Mais au moment où sa robe est déjà cousue, cette petite aiguille qui était si importante, pour laquelle on a ameuté tous les voisins, perd sa valeur. Voici maintenant la propriétaire, un jour, deux jours après, qui lui dit, pourrais-je avoir mon aiguille? Elle est quelque part là. Je vais la retrouver. Je te l'apporte. Et un jour passe. Pourrais-je avoir mon aiguille? Mais oui, je t'ai dit que je vais te la donner. Il faut parler comme elle. Non, c'est à toi que je m'adresse. Parle comme elle. Je t'ai dit que je vais te la remettre. C'est comme ça qu'il faut parler. Eh bien, voilà l'autre qui s'en va. Oui, un jour après, elle envoie son enfant. Elle va demander à maman Marthe Tonganangai. Ah, mais je lui ai dit que je vais la lui donner. Mais pourquoi elle m'embête comme ça? J'ai dit que je vais rendre ça. Tout ça à cause d'une aiguille. Oh, non, son Nicolas Tonga. Tonganine. Quelle aiguille? Je peux en acheter. Dans le temps, on en a combien? Ça coûte combien? Quelle ingratitude. Voilà qu'elle se dispute pour une aiguille. Alors qu'elle a supplié. Pour cette même aiguille. Mais maintenant,
Ça devient un problème parce que l'autre veut rentrer dans son droit. Ça devient un sujet de dispute. Et l'autre qui avait demandé une aiguille, elle voit 50 aiguilles. Elle enlève une, elle remet les 49 autres. Elle commence à jouer avec moi. Et l'inimitié s'installe entre deux femmes. Une chose très simple. Vous savez, vous avez l'impression que on raconte des histoires. Mais c'est comme ça que l'inimitié s'installe. Frère, où est la chose que je t'avais donnée? Bon, Obi, frère, quand tu m'avais donné ta brochure, ton livre, tu avais dit que je veille dessus. Tu connais les enfants. Il a déchiré. Bon, mais ça fait un vrai. Tu comprends? Ah bon, ça en riant. Si tu ne sais pas être fidèle dans les petites, comment peux-tu l'être dans les grandes? Je pose la question parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grands. Un petit problème, au moment d'expliquer, il manifeste son injustice, son injustice en transformant la chose. Au lieu de présenter l'événement, il présente ses sentiments. Comment un homme peut-il être juste dans les grandes choses? Dites-moi comment Dieu pourra lui confier sa parole. Son esprit. Une partie de l'arbre de vie. Une partie du royaume. À un tel homme. À une telle femme. C'est pas possible. Il ne le fera jamais. C'est pour ça que tous les hommes de Dieu sont appelés des économes. Ce sont des hommes qui sont fidèles. Même dans les plus petites. Ils veillent. Alors Dieu donne tout parcimonieusement. À compte-gouttes. Dieu ne donne jamais beaucoup. Il donne à compte-gouttes. Il fallait payer l'impôt. Il dit à Pierre, sachant que Judas était un voleur. Mais comme l'Esprit de Dieu n'est pas là pour accuser les autres. Non. Il n'a pas parlé de Judas. Il n'a même pas envoyé chez Judas. Il dit pas pécher. Le poisson que tu attraperas. Dans sa bouche, tu trouveras une pièce de 5 cents. Tu payeras. Et pour toi et pour moi. Et la valeur était exactement ce qu'il fallait pour l'impôt de Jésus et de Pierre. Il n'est même pas resté un centime. À ta sainteté. Donc il n'était même pas resté là. Non. Et quand il a multiplié les pains, il a dit aux disciples, allez ramasser ce qui reste. Vous souffrez, mais vous jetez.
Lui, le Créateur, il multiplie, mais il fait ramasser. Comment si vous n'êtes pas fidèle dans les petites, vous pourrez l'être dans les grands? On aime bien les grands mystères. Hein? Le mystère de Babylone la grande. Le mystère de Saint-Tonnerre. Là, tout le monde ouvre les oreilles. Mais quand on dit être fidèle dans les petites choses, il n'y a pas un autre sujet là. Ah, non, j'en ai pas d'autre. Ça, c'est Christ qui a dit. Oui, Christ dit à l'oubien. Ça, c'est Jésus qui parlait. C'est ainsi dit le Seigneur. On commence au verset 1 disant, Jésus dit aussi à ses disciples. Un homme riche avait un économe. Il fut dénoncé comme dissipant ses biens. Quand il termine la parabole, il dit au verset 11, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Lorsque dans ces choses du monde vous n'êtes pas fidèles, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Qui? Nani? C'est pas le Seigneur. C'est alors que les gens demandent. Et ils n'obtiennent jamais. Ils demandent et ils n'obtiennent jamais. Alors ils vont lire les muelles. Ils vont lire les muelles. Ils vont lire dans les proverbes. Là où le roi Lemuel dit, Seigneur, ne me rends pas trop riche. Sinon, dans ma richesse-là, je t'oublierai. Mais ne me rends pas non plus trop pauvre. Sinon, dans ma pauvreté, dans mon malheur, je te maudirai. Alors, c'est tout le monde qui récite ça à longueur de journée. Mais Lemuel était sincère. Mais toi, tu ne l'es pas. Toi, ce que tu veux, c'est avoir de l'argent. Ce n'est pas vivre dans la présence de Dieu. Cet homme voulait vivre dans la présence de Dieu. Alors le Seigneur continue. Et il dit au verset 13, nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous avez entendu cela? Les pharisiens qui étaient avares, écoutez tout cela. Et ils se moquaient de lui. Vous avez entendu? Des paroles de sagesse. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Parce que les hommes aiment entendre les choses qui leur plaisent. Ils ne veulent pas que Dieu les instruise. Ils viennent pour entendre des choses d'un type, d'un genre. Mais au moment où ils entrent, Dieu décide de leur donner autre chose.
Dieu dit, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou vous travaillez pour la vie éternelle, ou vous travaillez pour maman. C'est aussi simple que ça. Si tu as tout le temps des excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu, à cause de maman, ton maître est maman. Même si tu es si régulier, mais tu es attaché aux choses de ce monde, ton maître est maman. On ne peut pas avoir deux maîtres. Ce n'est pas possible. Il y a ceux qui sont donnés, qui sont adonnés au Seigneur. Et les autres. Et la différence est claire. Et Israël n'avait pas compris ça. Dieu lui avait donné une alliance. Mais Israël a dit, nous voulons être comme les autres royaumes. Et Samuel a pleuré. Et Samuel est allé là qui? Vous voulez être comme les autres. C'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Vous les croyants ne cherchez jamais à ressembler aux dénominations. Ne cherchez jamais à ressembler au monde. Mais frère, là-bas on a mis l'ordre. Pourquoi chez nous on ne met pas l'ordre? Oh. Regardez comment la mort s'installe. Mais c'est Dieu qui met l'ordre. Amen. Amen. C'est Dieu qui était là quand on avait oint David roi. Il n'y avait que Samuel et sa famille. Mais quand Saül meurt, le peuple dit, même du vivant de Saül, tu sortais devant le peuple et tu rentrais devant le peuple. C'est Dieu qui fait l'ordre. Jephté, fils de prostituée, rejeté. Quand son père est mort, il est devenu le chef d'un groupe qu'on considérait des brigands. Quand les Galadites voient ce qui leur arrive, ils disent, Jephté, viens et règne sur nous. C'est Dieu qui ouvre les yeux. Ne cherchez jamais à ressembler aux autres. Pourquoi chez les autres et pourquoi, garde tes pourquoi pour toi. On a besoin de questions bibliques. Là, on peut répondre bibliquement. S'il n'y a pas de questions bibliques, comment voulez-vous qu'on réponde? On n'aura pas de réponse pour vous. Parce que la question n'est pas biblique. Il faut aller la chercher dans les missels, dans les catéchismes. Donc, allez chasser les démons. Dans les livres écrits par des évangélistes à gauche, à droite. On ne saura pas vous donner de réponse. Mais si vous nous posez des questions qui sortent d'ici, oh, on ira de la Genèse à l'Apocalypse. Selon le don de grâce que Dieu nous a fait. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta femme. Et Israël veut dire, nous voulons être comme les autres peuples. Et quand ils ont voulu être comme les autres peuples, Dieu leur a donné un roi. Regardez que c'est au moment où Israël a eu le premier roi.
Saül, Saulo, que les problèmes ont commencé. Il s'est permis de faire des sacrifices. Il s'est permis de faire des holocaustes. Il s'est permis beaucoup de choses. Dieu l'a rejeté. Et Dieu a pris David. Et à la mort de David, le royaume s'est divisé en deux. Parce qu'après Salomon, il y a eu Roboam, et qui n'a pas voulu écouter les bons conseils, et Dieu a déchiré le royaume. Il a donné 10 tribus à Jéroboam et 2 à Juda. Et vous savez quoi? Jéroboam a dit une chose. Jéroboam a dit une chose. Si nous laissons le peuple monter à Jérusalem, écoutez cette pensée. Si nous laissons le peuple monter à Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem qu'il y a le temple. Le temple que Salomon a bâti. Sur le lieu que Dieu avait montré à Abraham. Nesika oyonzambe ala kisaka abalayama. Sur l'air d'ornant acheté par David. Na elangana orma oyo David asombaki. Qui aujourd'hui est appelé le mont des temples. Oyo lele bianga mingomba na tempelo. Et que les Arabes appellent l'esplanade des mosquées. Oyo baraba te kobenga te sika na libanda ya mosquée. Ça appartient à David. Ezalianga ni a David. C'est clair, tout le monde le sait. Et c'est pour les montrer ce bien. C'est pour ça que Sharon avait voulu aller se promener. Il y a moi Sharon à ce plaisir qu'elle est content pour là. Sur la terre de son ancêtre. Na ma belle ya ya ya. Kokonaye. Regardez qu'il n'y a pas de dispute sur le tombeau d'Abraham. Parce qu'il avait acheté. Mais ils veulent faire des problèmes au mont des temples. Pourtant, il a été acheté. Il appartient à David à perpétuité. À lui et à sa descendance. Est-ce que vous comprenez la chose? Alors Jéroboam de dire. Oui, Jéroboam a l'oubli. Si nous les laissons monter, ils écouteront les sacrificateurs. Et les sacrificateurs diront, Dieu a conclu une alliance avec David. À tout point bien réglé. Assurant une pleine sécurité. Alors le peuple se détournera de nous et ils vont retourner vers David. Alors faisons-nous des sacrificateurs. Quiconque viendra avec un taureau sacrificateur. Quiconque viendra avec des dons, on lui donne une tâche. Et faisons-nous ici des idoles pour que le peuple adore ici et qu'il n'aille pas loin. Et remarquez qu'ils se mirent à adorer à ce moment-là des idoles en brisant le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas de représentation de ceci et de cela. Et de là, ils ont commencé à adorer Baal. Astarté. Moloch. Kemosh. Et beaucoup d'autres. Les dieux des nations. Ils ont adoré les dieux des nations. Dans le pays de Yahvé. Dans le pays du Seigneur. C'était son partage. Il est dit le Dieu qui réside à Jérusalem. La terre de Canaan, c'est sa patrie. Il a laissé le reste au monde entier. Mais la terre de Canaan, il se l'est réservée. Il a bombé à mon pour la Yémoc.
moko. Et il avait donné aux 12 tribus. Et après c'est comme on a pas cabine sur. Avec l'ordre. Non motindo. Que dans ce territoire là. La carte n'a pas béni wana. Il n'y ait pas d'autre Dieu. Banjambe mosusu ekotate. Vous saisissez la chose. Vous allez constater les cambouis. Israël ayant adoré les dieux étrangers. Israël est lié kokumba mais la banjambe mosusu. Dieu leur dit. Zamba ici bango. Vous ne pouvez pas adorer des dieux étrangers dans ma terre. Je vais vous envoyer dans les territoires de ces dieux-là. Comme ça, vous pourrez aller les adorer là-bas. Israël a été dispersé. Israël a parlé parce qu'il n'a pas gardé l'alliance. Il a été dispersé parmi les nations parce qu'il avait adoré les dieux des nations. Dans Deutéronome, on va un peu lire cela brièvement. Deutéronome 29. Deutéronome tuku mibalena libwa. À partir du verset 24. Toutes les nations diront pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel leur Dieu. Le Dieu de leur père. Lorsqu'il les fait sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux. Et se prosterner devant eux. Des dieux qu'ils ne connaissaient point. Et que le Seigneur ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays. Et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Le Seigneur les a arrachés de leur pays avec colère. Avec fureur et une grande indignation. Et il les a jetés sur un autre pays. Comme on le voit aujourd'hui. Vous entendez cela? Le Seigneur n'avait pas pu supporter qu'on puisse adorer un autre Dieu sur son territoire. Regardez que quand Israël a été emmené en captivité, c'est dans le livre de Deux Rois, les Assyriens ont fait venir des peuples de tout pays et ils les ont installés en Samarie. Et c'est comme ça que le peuple samaritain a existé, qui est un mélange d'Israélites et des gens de tout peuple. Lorsque ces hommes sont arrivés dans le pays, ils sont venus avec leur Dieu. Ils se sont permis d'adorer comme ils voulaient. La Bible dit que le Seigneur fit venir des lions qui se mirent à les dévorer. Nous sommes dans 2 Rois 17. Verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cutha, d'Ava, de Damat et de Sepharvaïm. Et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Avez-vous entendu? Dans ce pays-là, on ne peut pas adorer un autre Dieu. C'est pour ça que les Arabes ne réussiront jamais. Ils adorent Allah dans le pays de Canaan. Mais dans Canaan, on doit adorer Adonai.
Aujourd'hui, ils n'ont pas la révélation de qui il est. Ils savent qu'autrefois on l'appelait Yahvé. Mais selon la prophétie d'Amos. Lisons cela. Nous sommes dans le prophète Amos. Il est dit au chapitre 6, deuxième partie du verset 10. Y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra, personne. Et l'autre dira, silence. Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de, du Seigneur. Amen. Depuis qu'ils sont retournés dans le territoire, toutes leurs prières se terminent par le terme Adonai qui veut dire Seigneur. Ils savent qu'ils ont brisé l'alliance. Et ils savent qu'ils sont rentrés selon la promesse. Mais ils n'ont pas de temple. Ils n'ont pas de sacrifice. Ils n'ont pas d'autel. Ils n'ont pas de sacrificateur. Alors ils s'excusent les uns les autres. Ils disent, mais la colonne de feu n'est pas parmi nous. C'est pas le moment de prononcer le nom du Seigneur. Alors vous les voyez là au mur de lamentation. Il dit de la tête aux pieds, d'où le corps rouge. Ah mais oui, tu dois l'aimer de tout ton corps. Alléluia. Amen. L'âme vibre. Et le corps aussi vibre. Alléluia. Amen. De toute ta pensée, de toute ta force. Mais c'est au nom d'Adonai. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Nous vivons l'accomplissement de prophéties bibliques. Mais juste à côté, dans le même pays. Juste à côté. Dans le même pays. Il y en a qui prient Allah. Mais il les chassera de ce pays. Il enverra des lions contre eux. À côté de la aussi. Et vous savez ce que veut dire Ariel? Ariel veut dire lion de Dieu. Ariel qui colle en cause dans ensemble. Et Ariel Sharon est un lion de Dieu. Mais Ariel Sharon est un lion de Dieu. Oh, nous allons vers des temps merveilleux. Nous n'aimons pas la douleur et la souffrance. Mais il faut que la parole s'accomplisse. Alors il dit, revenons dans 2 Rois 17, verset 27, 26. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie, mais ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'ils ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Alors le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmené de là en captivité. Pour s'y établir. Et qui leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Alors un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Ah, mais les nations firent chacune leur dieu dans des villes qu'elles habitaient. Et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Arrivés au verset 32. Ah, ils adoraient leur dieu, mais ils craignaient aussi l'Éternel. Verset 33. Ainsi, ils craignaient l'Éternel. Et ils servaient en même temps leur dieu. D'après la coutume des nations, d'où on les avait transportés. C'est comme ça qu'ils ont survécu. C'est comme ça que la Samaritaine disait. Vous vous dites que c'est à Jérusalem. Mais nos pères disent que c'est sur la montagne.
Jésus de lui dire, le temps vient. Et il est déjà venu. Où ce sera ni à la montagne, ni à Jérusalem. Alléluia. Amen. On adorera le Seigneur. Parce que le Père cherche des adorateurs. Il adore en esprit et en vérité. Mais vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais les Juifs savent ce qu'ils adorent. Car le salut vient des Juifs. Alléluia. Amen. Ils savaient de quoi ils parlaient. Quand vous êtes dans ce pays-là, vous n'avez pas le droit d'avoir un autre Dieu. Quand vous êtes dans ce pays, vous n'avez pas le droit d'avoir un autre Dieu. Le Dieu de ce pays s'est fait connaître. Il a dit je suis. Il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il a parlé à Moïse, Moïse dit mais si je vais vers eux. Et il me demande quel est le nom de ce Dieu. Que leur dirais-je? Il dit leur. Celui qu'on appelle je suis. M'a envoyé vers vous. Alors quand il apparaît à Abraham, il dit, je suis El Shaddai. Quand il apparaît, il dit je suis Yahvé Sabaoth. Je suis l'ange qui se tient devant sa part. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection. Le grand je suis. Le Dieu de ce pays. Il nous a donné un seul nom. Par lequel nous pouvons être sauvés. Ce nom-là est merveilleux. Manoac a demandé à l'ange. Quel est ton nom? Afin que ce que tu dis, lorsque ce que tu dis s'accomplira, je puisse t'adorer. Il regarde, il dit, mon nom est merveilleux. Alléluia. Amen. Jacob combat avec lui. Jacob a bondi, bondi à l'ombre. Il dit, je sais que tu es. Je sais qui tu es. Mais quel est ton nom? L'autre le regarde. Il dit, je vais te changer ton nom. Tu ne seras plus Jacob. Dorénavant, tu es Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu. Et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Mais le nom, je m'en vais. Alléluia. Mais Paul un jour a demandé. Il voit la colonne de feu, mais qui es-tu, Seigneur? Afin que je t'adore. Oh, c'était le Nouveau Testament. C'était le temps de la révélation. C'était Dieu accomplissant sa parole. Il dit, je suis Jésus. Je dis, persécute. Le Dieu que nous adorons s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Pas Jésus tout court. Le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a fait de ce Jésus l'homme. Nous prêchons un homme. Amen. Notre salut vient d'un homme. Mais un homme qui est Dieu. Un homme qui est la plénitude. Un homme qui est de la résurrection. Et la vie. Alors Dieu a fait cet homme. Que vous voyez là, ce Jésus, Dieu l'a fait, Adonai, et Mashiach, Seigneur, et Christ. Alors Israël voulait le Messie, parce que c'est le Messie qui doit sauver, c'est le Messie qui doit régner.
Ils sont retournés là en attendant le Messie. Ils disent, le Messie viendra. Et il s'établira là. Sous le mont des temples là. On lui érigera un temple. Et le Messie y entrera. Alors on leur dit, mets la mosquée. Ils disent, c'est pas notre problème. C'est pas le nôtre. Notre problème, c'est que le Messie doit venir. Et qu'on doit rebâtir le temple. Notre problème, on doit aller au ciel. Les petits démons là, ce n'est pas notre problème. Jésus les a vaincus à Golgotha. Il a dit, je viendrai moi-même. Pas un ange. Moi-même. Quand il s'agit d'Israël, il envoyait Michaël, le défenseur de son peuple. Et Michaël combattait. Mais quand il s'agit de toi et de moi, il vient lui-même. Quel que soit le problème, alors il ne faut pas avoir deux maîtres. Maman et Dieu. Non. Oh, c'est à cause du travail. Le travail ne t'enverra pas au ciel. Le travail ne te donnera pas la vie. Le travail te donnera des maux de tête. Le travail te donnera des sueurs pour que tu puisses manger. Parce que c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Mais le combat, c'est la Jérusalem. Et quand tu mets le travail devant, la Jérusalem n'est pas pour toi. Jérusalem, du moins jusqu'à présent. Tu ne peux pas faire mentir la parole. La parole est oui et amen. Amen. Joseph n'avait-il pas du travail? Joseph, il était charpentier. Mais comme Hérode cherchait à tuer l'enfant. Et qu'il fallait que la parole s'accomplisse. L'ange lui dit, va en Égypte. Moi, je en Égypte. Il est descendu en Égypte. Afin que la parole s'accomplisse. Mais il avait du travail. Et Suzanne. La femme de Chouza. Moi, c'est un Chouza. L'intendant d'Héros. Mon bon Miguel Corayero. Il travaille avec Héros. Alors, écoute, vous allez dire Suzanne. La Suzanne croyait au Messie. Avec qui conduit la Messie. Elle le suivait partout. Avec qui collandait, mais c'est que je savais quoi. Foyer. Non. Mais il y avait une question de vie éternelle. On ne la gagne pas. On ne l'achète pas. On la paye pas. On l'hérite. Pour l'hériter, tu dois être fils. Et pour être fille, avant la fondation du monde, nous croyons ton dîme parce qu'on était dans la pensée de Dieu. Ces choses chez nous, elles ne sont pas étranges. Et elles ne sont même pas nouvelles. Ça nous rappelle de vieux sentiments. Quand on entend ça, on dit, mais c'est ça que je cherchais. Les autres, ils achètent. Nous n'exagérons rien. Nous disons le ainsi dit le Seigneur. Regardez comment le Nouveau Testament a commencé. Par l'accomplissement de prophéties bibliques. Nous sommes dans Matthieu 1. L'ange apparaît à Marie. Il est dit au verset 22, après lui avoir dit, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22, tout cela arriva. Bien aimé, tout
tout cela arriva nyonso wana esalemaki afin que s'accomplisse na tina te ekokisama ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète oyo nkolo asakolaki na nzela na mosakoli. Qu'est-ce que Marie avait fait? Eloko nini Marie asalaki? L'ange est venu vers elle. Elle a cru. Andimaki. Parce que poète, il fallait esengelaki que s'accomplisse et ekokisama tout ce qui avait été dit par le prophète nyonso oyo mosakoli alobaki. Ah, Matthieu chapitre 2. Ah, Matthieu mon capitaine. Hérode demande au scribe Naba Komeli. Où le Messie doit-il naître? Masi asengeli kobotamelewa. Verset 5. Molongo ya mitan. Il lui dit Balobaki na ye. À Bethléem en Judée. Na Bethléem na kuna na. Car voici ce qui est écrit. Jambi tala oyo estilaki kokoma. Il ne pouvait pas naître ailleurs. Akakite kobotamel pa imosusu. Avez-vous entendu cela? Oyoki yango. Toujours dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, verset 15, 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Amen. Regardez au verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la dette dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Alléluia. Prenons un autre passage. La Bible n'est faite que de ça. Matthieu chapitre 12. C'est notre frère qui a lu ça tout à l'heure. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Mais Jésus l'ayant su s'éloigner de ce lieu, une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda vigoureusement de ne rien dire, de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Ésaïe. Revenons dans Matthieu 4, verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Avant que le Messie ne naisse, le Seigneur, le Christ, veillait sur la parole afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par les prophètes. L'enfant né, le Seigneur continue à veiller sur le moindre de ses déplacements afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. L'enfant devenu adulte lui-même veille sur la parole afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes. Jean 19, cloué à la croix, voyant que tout est accompli et sachant que tout est consommé, afin que s'accomplisse la dernière écriture, il dit: donnez-moi à boire. Étant mort, les soldats viennent pour couper les jambes. Quand on veut lui couper les jambes, une main mystérieuse retient. Avant de naître, il veillait sur l'accomplissement. Dans le sein de sa mère, il veillait sur l'accomplissement. Bébé,
bébé. Adulte. Il veille sur l'accomplissement. À la croix. Il veille à l'accomplissement. Mort. Il veille à l'accomplissement. Ressuscité. Il veille à l'accomplissement. Bientôt il revient. Mais il veille à l'accomplissement. Alléluia. Amen. Cette dernière bête va tout fouler. Elle va tout briser. Vous la connaissez cette bête? C'est l'Empire romain. Avec à sa tête l'Antichrist. Non. Oh, mais vous avez entendu cette déclaration? Cette attaque n'est pas contre les États-Unis. C'est contre l'humanité entière. Il y a une heure qui viendra où les 10 cornes, tout le monde donnera le pouvoir à la bête pendant une heure. Nous courons vers l'accomplissement de ces choses. Pendant 2000 ans, nos frères ont lu, mais ils n'ont pas vu l'accomplissement. Pendant 2000 ans, ils ont lu, quand vous verrez le figuier reverdir, mais ils n'ont pas vu le figuier reverdir. Pendant 2000 ans, ils ont lu. Et quand la plaie fut guérie, la terre entière fut dans l'admiration. Ils ont lu, mais ils n'ont pas vu. Pendant 2000 ans, ils ont lu. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Nation contre nation. Des soulèvements par-ci. Famine, guerre. Mais ils n'ont pas vu. Pendant des années, ils ont lu. Quand vous entendrez parler de paix, et de sécurité, alors une ruine soudaine fondra. Ils ont entendu. Non, ils ont lu. Mais ils n'ont pas entendu. Mais le Seigneur avait dit une chose merveilleuse dans Marc. Au chapitre 13. S'adressant aux croyants de sa génération. Marc 13, verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. À ça la angélé. Alléluia. Amen. Donc il y a des générations qui voient et qui lisent les choses qu'ils voient. Ces générations doivent faire attention. Or nous lisons ce que nous voyons. Alors que celui qui lit, fasse attention. Voici, je l'ai dit à tous, dit Jésus. Verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Les gens croient qu'on a mis les États-Unis à genoux. Mais non, on ne les a pas mis à genoux. On vient de réveiller un géant. Il va se réveiller. Il commençait à s'assoupir. C'est la deuxième bête d'Apocalypse 13. Avec ses deux cornes. Elle est là, elle oblige les habitants de la terre à faire une image à la bête. Du temps de William Branham, il n'y avait pas d'image à la bête. Mais maintenant, il y a une image à la bête. Ah, et elle a fait que l'image de la bête parle. Et l'image de la bête parle. Et elle fera que tous les habitants de la terre adorent la première bête. Ce ne sont
sont que des gendarmes exécutants les ordres de, venant de l'autre côté. Mais il y a un autre géant qui sommeille. Il hiberne dans le Grand Nord, à l'extrémité du septentrion. Il est là, il observe. Il est resté communiste. Hein. Il observe les mouvements. Et il se rend compte que sur la bête, il y a une femme qui est là. Moi, si mon corps a vendu les colonnes à Yango. Et c'est d'elle que viennent tous les hommes. Mais où t'aillent des mythes? Lui, il a conclu une alliance avec la bête. Mais la femme est assise. Oh, les deux cornes haïront la femme. Oh, ma séquence, ma couille, moi, si ils la dépouilleront. Je n'invente rien, je suis en train de vous citer les écrits. Ils la mettront à nu. Ils la déchireront. En une heure. En une heure. Viendra sa destruction. Et tous les habitants de la terre. Et c'est ça qui est quand même terrible. Oh, une des élites sommes. Visez un peu avec moi. Les gens ne comprennent rien. Il est dit, verset 4, c'est le message, chapitre 18, Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Il y a eu des générations méchantes. Il y a eu la génération de Noé. Elle a été tellement méchante dans son mélange que Dieu a regardé. Il a dit: mon esprit ne restera plus dans l'homme. Il y a eu une génération méchante. C'est celle de Sodome et Gomorrhe. Son cri est arrivé jusqu'au ciel. Et Dieu est descendu pour vérifier. Il y a eu une génération méchante. Le Seigneur a dit à Abraham: ta postérité sera en servitude dans une terre étrangère jusqu'à ce que les péchés des Amoréens atteignent son comble. Quand le péché des Amoréens a atteint son comble, Dieu dit: je me suis souvenu et je suis descendu. Il y a eu une génération méchante. C'est celle de Noé. Ils ont voulu faire une tour pour aller jusqu'à Dieu. Et Dieu a dit: je suis descendu. Vous entendez cela? Il y a une génération méchante. Son péché s'est accumulé jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu. Il va encore descendre. Mais avant cela, nous partirons. Pour nous, il y a un avenir heureux. Alléluia. Amen. Êtes-vous malade? Il y a 2000 ans, vous avez été guéri. Et même si je ne guéris pas, je me ris de la maladie. Je me ris de la maladie. Car le jour où je fermerai les yeux, je lui échapperai. Je reviendrai. Alléluia. Amen. Je lui ai échappé. N'ayez pas peur de la mort. Nous lui échappons par là. Parce que les clés de la mort, c'est Jésus qui les a. Les clés de ce jour de mort, c'est Jésus qui les a. Et voici le mystère. C'est que le royaume, vous voulez entrer, c'est nous qui avons les clés. Croyez-vous cela? Amen. Il nous a donné
La clé du royaume. Le pape Pierre qui l'a. Le pape se promène avec une grande clé. Comme un cowboy avec un revolver. La clé de la révélation. De qui il est? Tu es bien. Et sur cette révélation de moi, le fils de l'homme, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas résister. La mort ne pouvait pas le retenir. Pas parce que Jésus voulait ressusciter. Parce qu'il était écrit. Amen. Il était écrit. Tu ne permettras pas que mon corps voie la corruption. Et tu ne permettras pas. Tu vas retirer mon âme du séjour des morts. Quand Jésus mourait, il mourait en paix. Sachant qu'il ressusciterait. Il avait déjà dit, je suis la résurrection. Il est entré et il a vu les âmes qui étaient en prison. Quand il est entré là, Abraham a regardé, dit ma postérité. Oh, l'hypothèse n'a pas. Isaac a regardé, dit ma postérité. Alléluia. Amen. Daniel a regardé, Daniel a dit, oh la petite pierre. Oh, l'hypothèse n'a pas. Esaïe a regardé, Isaac a dit, un enfant nous est né. Adam a regardé la semence de la femme. Jérémie a regardé mon serviteur appelé germe. Zacharie a regardé la pierre qui a sept yeux. Chaque prophète regardait et il voyait quelque chose. Tous ensemble, ça a donné Jésus-Christ. Il les a dépassés. Allez, qui bango. Il dit, vous pouvez sortir. Ah, bien, vous pouvez sortir. Et il est allé voir les autres. Qui avaient été incrédules. Oui, madame. Et vous voyez, il vous avait été dit que je viendrai. Et vous avez douté. Maintenant je suis venu. Vous avez votre sang. Entre temps, voilà le diable qui s'en. Et Jésus lui dit, donne-moi. L'affaire est terminée. Il le regarde et si m'a lié. Il dit, mais j'ai oublié. Abina Bosan. Et comme je ne peux pas oublier, je vais te rendre tes péchés. C'est un lépreux. Pardon? Le diable azali moto ya malali na maba. La lèpre représentait le péché. Et on était tous des lépreux. Mais toute notre lèpre là, elle est sur lui. Et il n'est pas omniprésent. Non! Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Et il n'est pas omnipotent. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est omnipotent. Et il n'est pas omniscient. Car il n'y a que Dieu qui est omniscient. Oh, la pensée de Christ. Dieu nous l'a donnée. Et son plan, Dieu nous l'a révélé. C'est pour ça que le serviteur de Satan ne connaisse pas leur fin. Nous, nous connaissons notre fin. Et nous connaissons leur fin. Nous connaissons la fin de ceux qui nous écoutent. Et la fin de ceux qui les écoutent. Pour vous et nous. C'est la Jérusalem céleste. Pour eux tous.
C'est le séjour des morts. Et derrière la baoué. Et ensuite, les dents de feu et de souffle. Connaissons le plan. Dieu est sorti de l'éternité à cause de moi. Peux-tu le déclarer? Amen. Tu dois être en mesure de dire que le grand Dieu est sorti de l'éternité à cause de moi. Elle ne craignez point. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même. Et puis il se reprend et il dit, afin que vous sachiez, que vous compreniez, que vous croyez, que c'est moi qui ai prédit, qui ai annoncé et qui ai accompli. Ce n'est pas un autre Dieu à côté de moi. Il convenait en effet que Dieu, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, beaucoup de filles, qui l'amène à la perfection pour leur salut, pour la lobby qu'on a bango, mais l'odeur de leur salut. Mais quand il y a lobby qu'on a bango, oh, cet odeur, donc on est coulé à lobby qu'on, c'est Dieu lui-même. Adani Zambé Moko, manifesté en chair. À mon ami quatre ans, chef Dieu. Nani Kaka Zambé, parce que quand on m'amène dans le ministère public, ouais, t'es tango ministère public, t'es comme un mangai. La loi qui me condamne, c'est Dieu qui l'a écrite. Zambé n'a commis comme un kiango. Après ça, quand on m'amène devant le juge, le juge c'est Dieu lui-même. Puis mon avocat s'avance. Mon avocat, mon c'est Dieu devenu homme, mort, ressuscité, monté au ciel, assis sur le trône, et prétendu préparé à devenir roi. Il veut faire de moi son épouse. Imaginez-vous comment on défend son épouse contre toutes les attaques. Quand je vais un peu taquiner la sœur Annie, je dis, oh, c'est pas sa faute, c'est mon ami. L'amour de Dieu surpasse toute connaissance. Alors l'Écriture dit, afin que le Seigneur garde vos pensées dans l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Bien-aimés, nous sommes des bien-aimés. Et la Bible nous déclare des bien-aimés. Nous sommes des David, des grandement aimés. Croyez-vous cela? Amen. Mais vous devriez être heureux. Amen. 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 Vous devriez être heureux. Prêt à tout perdre pour le Seigneur. Nous n'avons plus à discuter avec l'ennemi. Non. Non. Je suis prêt à tout perdre pour le salut. Femmes, enfants, parents, maisons, travail, tout, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Quel est cet amour qui est conditionné? Ah, Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Mais il a déjà permis. Mais c'est pour ton bien. Car tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Connaissez-vous ces dessins pour vous? Les connaissez-vous réellement? Laissez-moi vous dire que toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus. Mais l'amen
Kasi amen. Est prononcé par nous. Et sa parole mina zela na biso. Mais par lui. Kasi na na ye na kuda. Il vient en nous. Aye na kati na biso. Et il prononce amen. Mais adai kosa kola amen. En d'autres termes. Na lolenge mususu. Si l'épouse doit être sans tache. Qui est membre de l'épouse ici? Qui est convaincu? Alors tu seras sans tâche. Si elle doit être sans ride, qui est parti de l'épouse ici? Mais tu es sans ride. Pourquoi? Pour la nuit. Mais Dieu l'a dit. Comme c'était écrit. Que tu ne permettras pas. Que mon corps. Ton sein. Voit la corruption. Après un jour. Au deuxième jour. Au troisième jour. La corruption venait déjà. Elle s'avançait. Et le sein était là. Mais Dieu ne pouvait pas permettre que son sein voit la corruption. Alors avant que la corruption arrive, il est ressuscité. Avez-vous entendu cela? Bien-aimé, Balingami. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Il y en a parmi nous qui vont passer de la vie à la vie. Amen. Il y en a parmi nous qui passeront de cette vue à cette vue. Il y en a parmi nous qui passeront de ce corps à ce corps. Tout, on ne devancera pas ceux qui sont morts. Car un cri de commandement, à la voix d'un arcange, au son de la trompette de Dieu, les morts ressusciteront. Nous les reconnaîtrons. Même si vous ne les avez jamais vus, vous les reconnaîtrez. Si Kamwe ressuscite, vous l'avez déjà vu, vous le reconnaîtrez facilement. Ouais. Mais au moment de la transfiguration, Moïse était parti des années avant. Élie des années avant. Mais quand il parut, Pierre dit, Moïse et Élie. Ce jour-là, je vais répondre. Je verrai Jean. Je verrai Dorcas. Alléluia. Amen. Je verrai Marie-Madeleine. Voyez-vous cela? Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Oui et amen. Amen. Alléluia. Amen. Levons-nous. Portez les mains. Je prie beaucoup. Ça, c'est l'amour de Dieu pour nous.
Amen.